C'est Eric Strohmayer, chargé d'affaires dans l'ambassade États-Unis, Port-au-Prince. Les États-Unis gagnent en pile inquiétude pour situation santé et sécurité qui grave en pile en Haïti. Pays arrivé dans une situation qui pas bon du tout avec insécurité tout partout. Côté gang criminel bloqué et puis limité accès, mangas et puis rien qu'aimé aide humanitaire en otage. Dernière nouvelle, ça après le craser la République en pile. Déjà, nous commençons à te plaindre dans le monde qui déjà gagne information, mesdames, messieurs. Situation, ça après le monde mais qui s'est passé. Et une plus grande personnalité, les États-Unis, vous voyez là, dans la coupe pays d'Haïti. Vous venez regarder qui s'est passé. Yo. Il s'agit de chargé d'affaires États-Unis dans la coupe Port-au-Prince. Mes frères et sœurs et amis, qui s'est passé? Monsieur Souke Payan là, côté monsieur fait connaître mes diverses sanctions pour tomber sous nèg qui dans la coupe pays d'Haïti qui prend le soin à bail problème intégrer pays à dans un trou qui ont trou sans fond, mesdames, messieurs. Donc, bagala compliqué, donc bagala mélangé. Il y a un pile gros question qu'a posé pour qu'on ait qui s'est pral possible. Qui sa bagala pralye, qui sa ta supposé fête. Mais en attendant, m'a rappelé ou, pays d'Haïti a fait face à une situation chaotique. Malgré ça, et Haïti pas suspendre fait deux grandes actions dans l'international, mesdames, messieurs. Écoutez bien, il faut dire, gagnez, mes frères et sœurs, amis, quelques rares personnalités qui fait face à des difficultés. D'accord, dit ça horrible. Nous n'avons qu'à parler de prof Estache, monsieur qui a obtenu l'école pour l'ouvrir. Monsieur d'abord a fait un pile mouvement donc pour l'école qui est capable d'ouvrir. Donc c'est l'école ça qui est armée du salut. Et bien pratiquement, monsieur a 5 petites. Le monsieur a essayé de nettoyer la cour et nettoyer le bayon. L'idée pour être capable de recommencer avec l'activité scolaire. C'est dans le moment même ça, monsieur d'abord a fait voile pour payer son chapeau. Côté bagala tabral mongon mais pour famille monsieur malheureusement mesdames messieurs monsieur a allé li quitter petit lio là dans la coupe Port-au-Prince et surtout monsieur gagné un petit monde qui a peine gagné 16 ans mesdames messieurs situation mongon mais intervention yo dans la coupe pays d'Haïti pas jamais suspend fête à travers le mouvement l'état a fait et mais un appel qui lancé Organisation des Nations Unies à tout état dans le monde là entier mesdames messieurs par rapport avec démarche qui était commencé faite pour les ressortissants haïtiens et ben yo mandé au fait pour yo pas déporter haïtiens pour venir dans l'enfer ça parce que situation difficile pité haïtiens yo vivent en paix. N'ta ka parler est-ce que la République Dominicaine est-ce que monsieur Sayo pral d'accord causer ça parce que madame monsieur République Dominicaine c'est un pays qui plus fait déportation spécial avec haïtien spécial personne moun pas jamais accepté pour bagala c'est comme ça que pour ta aller piti information madame monsieur nouvelle opération qui était réalisé à travers l'area terminal Varoa. Et bien mes frères et sœurs amis, matin la bien bonne dans matin, la primature expliquée à travers une personnalité dans l'équipe communication d'ici semaine prochaine. Gagner gaz qui pourra être disponible et disposé à travers les différentes stations d'essence. En tout cas, mesdames, messieurs, ma bonne état, m'a expliqué où qui ça va galayer, puisque nous-mêmes nous là, nous pas là pour nous faire sensation, mais nous là pour nous expliquer va galayer comme ça de vrai, comme Jean va galayer malgré la situation, yo finalement des fois présenté en face nous, personne ne peut comprendre qui ça qui est arrivé, mesdames, messieurs. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Qui j'en ouye, est-ce qu'il y a un peu, est-ce que tout baga en forme? M'bral qui t'autant déchargé d'affaires. Moi-même, m'a vini tout de suite après. Mais pas oublier nous, information chargé d'affaires déjà apporté en pile. Qu'est-ce que parce que mon paquet de nègres là, qui t'a calé ouest fait l'obéi. Donc, malheureusement, chargé d'affaires, il décide en quelque sorte pour le pas bail chance
ak monsieur yo selon sa ke la fè. Même bal dou ke trois bagay ou pa konnen tout ki sa la cause problème sa a pral oblige rezout nan pays d'Haïti ke l'on veut ou pas. Donc pral gon solution k'ap vini peut-être nou gen do pa konn nature mais ça qui sur l'oblige vini parce que madame monsieur donc li rive trop loin sous trop gros tribune li rive sous trop gros espace faut gagner un mouvement qui fait pour voir qui ça ta capable possible en tout cas nous même nous là nous parti là n'a pral bon détail en ti t'attendre m'ap vini c'est Eric Stromayer chargé d'affaires dans l'ambassade États-Unis dans Port-au-Prince. Les États-Unis ont en pile inquiétude pour la situation santé et sécurité qui grave en pile en Haïti. Le pays est arrivé dans une situation qui n'est pas bon du tout avec l'insécurité tout partout. Côté gang criminel bloqué et puis limité accès, mangas et puis rien qu'un peu d'aide humanitaire en otage. On a participé dans un gros effort international pour résoudre le problème. Non. Un petit quantité de monde, élite politique, business et social, en Haïti à l'étranger, qu'un pays a en otage pour propre profit personnel. Yo servi à souffrance pour plein de proches, ou soit réaliser ambition politique. Yo. Pays États-Unis déterminé pour les rendre criminels responsables. Département d'État américain déjà imposé restrictions visa sur monde qui commettait et puis encourager violence. Acteurs malveillants sayo, ak mon familio, n'a empêché yo entrer aux États-Unis. N'a continué à ajouter non dans l'issue pendant n'a identifié moun qui la cause situation tragique ça. Quelle autre sanction nous prend encore? Action nous pas camper là. Non date 21 octobre, Nations Unies te prend une résolution que États-Unis ak Papouasie Nouvelle-Mexique te proposé. Il pral imposer sanctions internationales sur responsables sayo. Malgré que la résolution mentionnait spécialement vagabond et revenu par PQA, ce n'est pas lui simplement qui affectait par décision ça. Nations Unies pral sanctionner acteurs malveillants, quel que soit pays citoyen. Ça veut dire que même si citoyens américains ont complice dans paix violence avec des restrictions sur accès dans le gaz avec Elio, ou soit participer dans le trafic d'armes, on pral interdit de voyager dans n'importe quel pays dans le monde. Et il a saisi bien yo. Les États-Unis proposaient tout une résolution des Nations Unies pour autoriser une mission multinationale pour aider nos affaires de sécurité et pour assister nos situations de choléra et humanité. Ensemble, la communauté internationale, là, nous pourrons travailler avec la police nationale d'Haïti, PNH, là, pour améliorer la situation de sécurité et puis permettre la livraison d'aide humanité qui est nécessaire en pile. Créole parler, créole comprendre. Il est important pour nous connaître que la propagation choléra, c'est une réalité. Les présents Jolia dans 6 et 8 départements PIOA. T'en prie, protège tes vous à famille. Si vous malade, cherchez traitement immédiatement. Pas tant l'avant ni trop tard. Vous été engagé pour nous supporter le gouvernement haïtien pendant la recherche et freine du choléra qui est retourné dans une tragédie tragique. Et puis satisfait besoin et gens, peuple haïtien. Demandez tout à ici pour y mettre des divisions sous côté pour résoudre la crise. Pas oublier, nous pas jamais la guerre haïtienne. Merci en plus. Vous sortez des chargés d'affaires haïtiens, mesdames, messieurs, qui pratiquement c'est une personnalité extrêmement importante pour les États-Unis d'Amérique. Et ma pral essayer de répéter exactement ça, Mouji a expliqué, ça, Mouji a dit yo. Et pratiquement obligé de tout toute bagaille. Mais qui s'est passé, mesdames, messieurs? Là, monsieur a regardé la situation, hein, qui a détérioré le pays chaque jour puis plus. Côté bagaille, pas jamais qu'à changer, pas jamais gagner trop grande différence. Les bagailles toujours paraît similaires, mesdames, messieurs. Ils semblaient en pile. Faut à dire que pas grand changement de opérer. Mesdames, messieurs, les États-Unis d'Amérique qui ont commencé à sanctionner quelques rares personnalités hommes d'affaires dans le pays d'Haïti, mais ont commencé à faire deux mouvements pour permettre qu'il y ait un changement qui opère. Mais écoutez, qui s'est arrivé et qui ne sont pas connus? Mesdames, messieurs, les États-Unis d'Amérique ont arrivé à couper visa et plusieurs nègres en fonction. Et surtout, il y a par exemple sénateur Yola qui est en fonction.
à savoir gagner Lambert, gagner Aya, gagner d'autres qui également en fonction, mais qui a fait face à des difficultés tout à fait conjoncturelles ou tout à fait difficiles. Donc qui s'est passé, qui s'est empilé le monde pas comprendre des bagages là. Le bagage est arrivé comme ça, mesdames, messieurs. Il y a un paquet de l'autre secteur qui concernait. Mais les États-Unis d'Amérique, à travers rencontre ça, aux convocations que ça a été fait avant-hier, eh bien, ils dit, non seulement ils coupé visa, couré garçon, ça y ou à couré femme, ça y dans la coupe pays d'Haïti qui t'a fait mouvement, mais il y a tout, mes frères et sœurs, l'autre sanction qui a fini, et il y a de nouveaux noms qui ont sorti. J'en s'entendais là, parmi les gens qui commençaient à avoir une grosse difficulté. M'pavle citer non, mais m'a dit un gros couré garçon qui dans gouvernement monsieur Ariel Henry hein, qui longe doit être bien longue, ta comme quoi c'est monsieur Ariel Henry qui t'a vendu monsieur qui t'a la cause que monsieur au fait pas retrouver dans gens que bagaille la t'a supposé y pour lui-même. Mesdames, mademoiselles et messieurs, écoutez bien. La République Capral fait face à un bagaille qui est très simple. Qui sac la cause? L'homme dossier, mesdames, messieurs, qui arrive sous table, monsieur Yola, par exemple, qui arrive sous table Biden, il y a un genre dossier faible, un dossier qui ne doit pas garder ses poids, qui est côté le pas privé. Mais l'homme dossier comme ça, il arrive pratiquement sous table Joe Biden, il arrive sous table Premier ministre Canada, rivé sous table et rivé sous chargé d'affaires les la Russie et la Chine qui retrouvaient mesdames messieurs aux États-Unis d'Amérique yo concentré au souli et gagné la Russie et la Chine qui a essayé bay un petit tap un petit leçon à États-Unis qui pratiquement à États-Unis qui pratiquement censé selon eux-mêmes a fait face à une difficulté tout à fait énorme. Fait face à une difficulté tout à fait conjoncturelle. Donc, qui s'acrivait pour qui ça s'est conseillé au fait? Est-ce que gagner un changement qui t'a supposé logiquement opérer? Et si changement pas opéré, dans le vrai sens et dans le vrai thème, ou a saisi, ouais, gagner des bagailles, ou pas capable d'intégrer comme ça? Eh bien, les États-Unis d'Amérique, la Chine, de tout petit pays, ça y est, désolé, l'embalo, de tout pays, ça y est, ils ont décidé en quelque sorte pour remettre les États-Unis une leçon de morale. Ce que personne, gouvernement américain, pas jamais voulait d'accord. Parce que ils pas voulu entrer dans la logique pour gagner une leçon de morale qui fait sur eux-mêmes. Parce que la situation n'est pas capable de continuer dans le niveau ça n'a pas gardé là, mesdames, messieurs. Donc, les États-Unis d'Amérique obligés de trouver leur situation dans le cafou. Pour faire ça à faire. D'ailleurs, il y a plusieurs goals à main. La France saute pour là, dans la Russie. Par exemple, il y a Burkina Faso, il y a quelques pays dans Centrafrique. Donc, malheureusement, la France prend deux, trois bons patasuel, marassa. Non, mais monsieur, parce que monsieur trouve nos situations, il n'est pas capable avec la France, les États-Unis, comme intelligent, pas jamais retrouver le lance. D'ailleurs, il y a une image, et même la Russie, ça, qui retrouve à l'intérieur même de différentes manifestations dans la cour Port-au-Prince. Oui, bonjour. Bonjour. On m'a profité de saluer tout le panel Caraïbes là et tout auditeur Radio Caraïbes matin là, moi, je vais parler en fonction de non seulement représentant association citoyenne pour la formation et l'éducation, mais tout comme mon père. Je commencer par dire que mon est petite et petite pour un système scolaire haïtien en libre à l'étranger. Problème non, actuellement, tout le monde s'est abordé, il a abordé de manière simpliste. Il a abordé chaque on a regardé petit secteur par là, où il y a que qui j'ai eu café pour capable de débloquer. Sans que vous pas regardé problème non de manière globale. Problème non, beaucoup plus grave que ça ne pensait. Hein, parce que ouvert l'école là, c'est une. Mais tout ça qui marche idée avec l'ouverture des classes là, j'ai l'impression que nous pas tenu compte de bagages. On va le premier aspect. L'aspect qui est avec sécurité. Est-ce que la police là disposée pour lui assurer sécurité tout petit monde ça, dans tout côté où elle passe pour y aller à l'école? Qui parent capable pour lui exposer petite ligne dans la rue pendant qu'on connaît que qu'on paquet de côté que bandits a
procédé Jean Ouvelé, a pas dit Jean Ouvelé, et que tout qu'on exposé. Deuxième point, par rapport avec crise économique là, gros paquet de côté qui a fermé, est-ce que parents yo yo en mesure dans moment ça là pour yo répondre à toute obligation, frais scolarité, faire boîte à lunch, habiller tout monde chaque jour pour aller à l'école, payer frais transport. Un transport moto qui était 200 gouttes, actuellement c'est 500 gouttes que lié. On parle qui gagne si mon cap saute la boule, qu'on descend avec ou dans le centre-ville. Comment parle ça va faire? Toutes courses augmentées, toutes bagages augmentées, même pour faire boîte la cougne là. Qui market, qui supermarché qui a assez de manger disponible, automatiquement l'école l'a ouvert pour répondre avec toutes bagages ça. Personne ne va connaître. Actuellement là, nous avons dit comme ça que nous rentrons dans le circuit côté que tout le monde a essayé de survivre. Chaque jour qui gagne, tout le monde a battu pour vivre, pour résister. Comment nous allons faire ouvrir l'école là pendant que nous avons essayé de survivre? Même pas aucun problème pour l'école là ouvrir demain matin. Même t'as bien content pour petit moins retourner pour chez l'école. Mais qu'on y a là, par rapport à tout aspect ça, par rapport à tout problème ça, qui réponse qui prêt, qui réfléchit, qui bagaille, qui prépare pour répondre à tout bagaille ça? Est-ce que l'État qu'on y a dit que nous a dit pas l'État, est-ce que l'État qu'on y a là, si nous dit comme ça que n'a pas ouvert l'école là tipa, j'en nous disant pour aller emboîter le pas pour le faire gaz là non seulement disponible mais aussi à un prix qui est abordable. Moi-même j'ai besoin de 2 gallons de gaz par jour pour mener petit moi l'école. Est-ce que qu'on y a la salaire pam a capable de répondre chaque jour pour m'a payer 1200 goudes pour me prendre mon pour mener l'école ensuite pour mal travail. Et rare monde qui travaille dans le pays qui est capable d'offrir tout le luxe. Est-ce que qu'on y a là vraiment, nous ne pouvons pas garder le problème de manière hypocrite pendant que nous avons dit qu'on a que fuck l'école ouverte, fuck l'école ouverte, pendant que nous ne pouvons pas garder l'autre petit monde qui est là, côté que parents n'ont pas de moyens pour ouvrir le petit monde de l'école, ils n'ont pas de moyens avant et qu'on y a c'est encore pire. Les gens disent qu'on a que fuck l'école ouverte, les gens ça y est là, les situation y est là, n'oubliez tout l'autre petit monde qui n'a pas de moyens à eux, nous pourrons le faire en société avec 2 niveaux, côté que demain si Dieu veut, c'est même petit monde ça y est, qui nous est marginalisé, qu'on y est là, qui pourra le poser plus de problèmes, qui pourra venir plus de bandits, qui pourra venir plus de méchants. L'autre petit monde, je vous dis à la. Et que l'Iwe que l'État pas fait rien pour lui. L'a gardé l'Iwe pour là après l'école là, pour là bien. Et puis qu'on y a la demain si Dieu veut, nous pas offrir rien. Est-ce que c'est pas plus bon? Est-ce que c'est pas plus problème n'a créé? Oui, nous voulons que nous à l'école. Oui, nous voulons que nous gagnons éducation. Mais qu'on y a là, qui ça n'a fait qu'on y a là? C'est vrai qu'il faut une réponse immédiate qui baille. Mais qu'on y a là, approche sous 5 ans, sous 10 ans, sous 15 ans, qui ça nous fait avec? Nous avons un problème non, de manière immédiate, mais nous parlons sur le long terme. Et c'est ça qui trouve le problème la race. Nous, c'est que nous avons un bagage de manière immédiate. Nous n'avons pas pensé à long terme vraiment. Ouvrir l'école là. Oui, il n'y a aucun problème. Moi, c'est parent, moi, je fais partie, moi, pas professeur, même fait partie de ACFE qui est là pour soutenir l'éducation avec formation. Mais qui ça n'a fait qu'on y a là? Nous, tout le monde dit qu'il faut l'école là ouvrir. Qui ça n'a fait qu'on y a là pour nous assurer que non seulement que Timon à l'école, qui rejoint moi, rien pour aller à l'école, et Timon qui n'a pas de moyens pour nous faire à l'école. Et qu'on y a là pour nous avancer, qu'on dit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais qui ça n'a pas comme éducation, mais qui ça n'a pas formation, dans ça n'y a là pour ne pas retourner la donne et pour ne pas pire. Mais message pas dans matin, tout le monde a dit pour ouvrir l'école, yo. On n'a pas de problème. Mais qu'on y a là, c'est qui ça n'a fait pour garantir la sécurité de Timon? Qui ça n'a fait pour pas payer frais scolarité? Qui ça n'a fait qu'on y a là pour transport là? Qui ça n'a fait que pour problème manger qui est là? Nous parlons compte de ça, c'est que actuellement là, on a un problème crise grand goût dans le pays. On Timon à l'école qui n'a pas manger, qui ça va l'apprendre? Qui disposition d'esprit que les gens m'attendez-nous vraiment pour nous voir une approche patriotique, pour nous voir une approche qui s'insère avec crise là, pour nous suspendre notre tête ou seulement, pour nous garder crise là de manière globale, pour nous résoudre le problème là, et puis après ça qu'on y a là, pour nous aborder chaque bagaille séparément. Mais de manière qu'on y a là, général, il faut aborder le problème là, et pour chaque on suspendre penser avec six clans par eux, six classes par eux. Parce que là, si nous ne pas faire, nous tout a coulé, nous tout a sombré. Parce que là, il ne faut pas garder des pensées séparatistes, mais il faut garder des pensées unitaires. Pour avancer, pour nous avoir une solution globale à un pays, et demain, si Dieu veut, pour nous capables de dire que mais telle école pour tel citoyen. Merci. Merci beaucoup. Mais quelle solution tu as supposé porter, puisque l'école va ouvrir pour nous, puisque il y a inflation, tout bagage cher, parents, par avoir et tout l'école. Quelle solution? C'est quoi la solution? La solution est simple. Nous supposer, sincèrement, aborder bagage de manière global. Problème pays, son problème sécurité, son problème politique. Faut qu'on résout ça
immédiatement. Li pa katan encore. N'a pas imaginé que nous sommes deux mois qui ferment là. Tout on sait qu'il y a quoi manger. Et que tout stock manger pays actuellement là, les œuvres, ça c'est fini. Nous allons rentrer dans une crise humanitaire. Mais la solution, c'est résoudre le problème. Là. Que tout acteur politique qui suspend les branches dans chaque point de paillot, que je suis là. Que pour nous gagner des actions patriotiques qui fait pour tout on dépasse pour nous dire comme ça que pays n'a pas qu'à sombrer. On nous tout mettre tout ensemble, pas besoin qu'on ait dans qui compter, dans qui secteur côté, tout on a victime. Là, je vais fermer l'école pour toute une année. Haïti d'abord. Dans ce cas, fermer l'école pour toute une année et puis pour nous résoudre le problème. Non, non, je ne vais pas parler de fermer l'école pour toute une année. Là, même, je vais parler de actuellement. Politique là, crise politique là, ça mène nous là aujourd'hui, il faut que nous résoudre. Si nous ne résoudre pas, nous avons pris des décisions cosmétiques et que dans 3 à 6 mois, qui va aggraver le problème encore plus. Le problème là, c'est qu'il y a urgence politique. Il y a urgence pour nous résoudre le problème patriotique pays là. Tout le monde qui a duré mes pays là, c'est le moment pour nous venir chuter sous table là, pour nous dire Haïti, d'abord, intérêt personnel, mais de côté. Et répondre immédiatement à problème yo. Parce que problème yo là, si nous parlons de cougnir en amont, en aval, il y a plus mal. Et nous avons conséquences déjà, nous faisons expérience déjà, et nous avons résultats. Donc nous avons comportement acteur, donc résoudre problème et politique là, c'est d'abord une volonté de acteur politique yo. Et ça fait longtemps qu'on a prôné et on démarche comme ça. Et c'est peut-être ça qui expliquait que nous arrivons là. Donc c'est une partie de l'idée que acteur yo, yo pas entendre faire qui choye pour résoudre problème. Donc l'école va aller fermer là pendant longtemps. Eh bien justement, c'est là qu'on y a tout acteur ça yo. Cap dit qu'il y aurait Haïti, il y a besoin pour les problèmes de résoudre là. Il y a supposé qu'il y a 11 semaines devant là, à partir de la jeudi, après le dit comme ça que n'a pris des actions patriotiques Haïti d'abord, ou bien que tout le monde s'est pour nous compte que c'est pas des gens qui ont pensé pour nous, qui ont réfléchi pour nous, et que vraiment il n'y a pas Haïti, il n'y a pas besoin d'Haïti. Là, à un moment arrivé pour nous compte qui est-ce qui est haïtien, qui est-ce qui est patriote et qui est-ce qui est mes pays à vrai. Voilà, merci beaucoup. Dernière intervention, guerrier sur l'entrée de l'école là, peut-être demain. Nous sommes capables de retourner avec le sujet ça, si préoccupation pour les citoyens. Même noté dans l'introduction Johnny. Hein? Johnny t'es fait sortir un manque de tiré de la part de secteur sur l'entrée de l'école là, ouais, que c'est dans la politique là, que c'est dans la population, tout ou pas senti de mouvement et de appel pour rentrer l'école là. C'est comme si mon yo comme si confortable. Attends. Oui, et au vague tout pour rentrer. Si me permettre ajouter un bagage, c'est que c'est pas seulement sur l'entrée des classes que mon yo vague. Mon yo pas conscient de problème là, de niveau problème dans là. Mais à un moment ça là, nous t'as supposé disposer tout le monde, fait dépassement de soi pour nous agir dans le plus bref délai, dans l'intérêt de la communauté, pas intérêt personnel, pas intérêt clan, pas maintenant. Là, c'est pas une affaire de clan qui a décidé, c'est pas une affaire de clan qui a une urgence, c'est une affaire de Haïti, pays à pas qu'à attendre, situation, pas qu'à continuer. Là, on y est, il faut que mon qui dit que le dirigeant nous, c'est le moment ça là pour nous montrer effectivement, est-ce que vous patriote, est-ce que vous aimez le pays, est-ce que vous voulez pour Haïti avancer. Ouvrez l'école là, il n'y a pas aucun problème dans ça. Ouverture des classes là, c'est pas le problème là. Ouverture des classes là, le problème là commencé avec gaz là qui nous ont pris côté que parents yo pas kakembe, personne pas kakembe. On imagine un professeur qui a un salaire de 25 000 gourdes. Comment la faire mettre gaz dans la machine ni pour se Pétionville pour la faire courir dans toute centre-ville là avec chaque 10 000 gourdes gaz par jour. Les papes kakembe, les papes kakembe, les papes kakembe. Ça veut dire que le problème là vient plus grave après. Faut garder le problème de manière globale. Il faut problème résoudre. Même à placer appel ça la journée. À tout le monde qui dit que vous patriote, à tout le monde qui dit que vous pays, à tout le monde qui dit vrai que vous avez goûté pour Haïtien, et pour Haïtien, prend note de monde qui soit disant qui dit que vous avez monde qui a marché avec vous, et qui est-ce qui est prêt pour faire sacrifice là sous tête li, pour le pays à débloquer, pour le pays à avancer. Je dis à un moment arrivé pour nous prouver citoyenneté, pour nous prouver patriotisme vraiment. C'est pas le mot propre, pas l'empile, on paquet de réunion, accord à droite, accord à gauche. Maintenant, nous sommes assez d'accord. Maintenant, le moment est arrivé qu'on y a là pour nous dire exactement ce que ça a fait avec le pays. Et les décisions qu'il faut qu'il prenne qu'on y a l'urgence. Merci. Merci beaucoup. Steve. D'accord. Guerrier Pierre-Renel, John. Merci à nous-mêmes. Se voit un citoyen qui gagne un grand sœur qui est Esther, mardi dernier qui sorti avec petite Lee. Il était pris en direction Miami. Et puis en retournant, et ce a mouri boulé.
petit petit là boule tout, mais la police t'a alerté Josué Mira qui c'est frère victime là qui pral parler avec nous là. Et petit petit là pas mourir sur le champ, heureusement. Yo t'a allé l'hôpital ensemble avec elle, mais pendant la sortie de l'hôpital pour aller en deuxième, c'est la dernière souffle, c'est un petit jeune fille de 10 ans. Alors 16 novembre qui d'abord fait 10 ans, c'est Miflove Charles Abelard. Et qui mourit par la suite après que l'été fin pour un premier soin dans l'hôpital et t'as pas le transféré dans un deuxième hôpital, mais malheureusement c'est par la boule, t'as pas le passé à elle en difficulté, fait pas qu'arriver passer à temps et les grands derniers soufflis pendant les sourds après l'hôpital. Nous gagnons en ligne Josué Miracle. Bonjour Josué, toutes nos sympathies et où est-ce que tu as raconté nos faits à qui ça lié? Allô? Et alors? Bonjour Josué. Et bonjour monsieur Guerrier. Oui, expliquez-nous ça qui passe, qu'est-ce qui est arrivé proche de bon. Mardi vers les 2h. Parlez plus fort. Mardi environ 2h et Esther qui c'est maman Michel. J'étais sorti tous les deux ensemble, mardi. Et puis, il était 4h, parce que j'ai dit, j'ai pris 3h, et 4h, il y a beaucoup de 5h, il y a beaucoup de temps. J'ai dit, on va aller le lundi. On va aller le lundi. On y a, et puis, elle m'a dit, on va aller 5h, 6h, moi, je vais aller dans le service. Là, je retourne d'environ 8h. On a moins dit que Codestia. Je suis venu à la maison. Et puis, les gens gardent nous à 10h, après nous voyons moins. Nous avons commencé à inquiéter. Vers 11h, dans ce qu'il a brûlé, nous pas à toucher. Minuit, pas à jeun. Ça veut dire que c'est ça. Et là, communication va bon. Communication va pas trop ok. On va connaître ce qui passe. Allô? Allô? On lui fait appel là. Oui. Bon, mais c'est le à nouveaux amis parce que communication vraiment mal passée. Voilà, on a parlé avec Josué qui lui-même ses proches une victime yo. Hein? Alors, on a parlé de un moment avec tout ton petit oui. Que jeune boulet, c'est ça, mm-hmm. Dans et zone Mariani. Oui, Mariani et yo jeune deux doit tester à couper tout. Ok. Oui. Allô. Oui, communication mal passée. Bah, on est sur une composition où on était dans Kaila. Et qui communication qu'on peut bien passer parce que là vraiment, nous pas qu'attendre autre bien. Mm. Allô. Oui, moi on est passé juste. Bah, on tire dans la cause en sortie. On allait là, on essaie là. Il y a beau continuer. On garde qui côté lui. Vers 10h, et puis on est là pendant 11h, on a un backup police qui a fusionné dans la cob là. On est là, elle a fusionné, et puis on m'a demandé information qui est-ce qui Josué Miracle là. Et puis il y a un monde qui te dit aller habiter tout près à la baille là. On a l'air rien dit. Il continue à expliquer aux jeunes et il boulait de là. Il y a des gens qui ont été en prison, 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 qui ont été en prison
dans le moment où moi de l'hôpital, de et puis, qu'on a eu un peu informé, il a dit que j'ai un peu bon corps, et on a fait un peu de la côte là, avant de connaître ça, d'agir. Et puis, les moins allés, une des arrivé à Omega, et Omega est arrivé comme une taille agressée. Et là, d'accord, je est mal passé, mais est-ce que vous avez information comment ça fait arriver, dans quelles circonstances? Puisque Timon n'a pas mouru sur le est-ce coup. Est-ce qu'elle parle avec nous, qui ça l'explique, non? Timon qui parle mourir. C'est de la vôtre qu'on mourit, non? C'est de la vôtre qu'on mourit. Est-ce que vous parlez avec moi? Et puis n'a pas l'air après. Mais c'est bien dommage. Les Europe transférer le goal à l'aide. Le tafou. C'est grand dernier. La situation vraiment mal passée. Bon, je dis, pas qu'on est peut-être second l'autre numéro, le mettre demain. On a retourné sur le dossier ça parce que vraiment, communication a mal passé, nous pas vraiment capable d'étendre. D'accord? D'accord. Oui, on va parler pour quelques minutes hein, avec le sénateur Maurice Jean-Charles, puisque il y a un cadavre, 5 jeunes garçons Sayo, qui, trois là-dedans, c'est membre actif, base 47, qui rejoint le cadavre dans la zone tabac 43. Et le sénateur Maurice Jean-Charles a déjà lancé SOSA, on va même ça. Guerrier, avant même nous recevoir le sénateur qui souligne avec nous, moi je voulais attirer l'attention au commandement de la police là, sur la situation. Ça. Sur Jovenel Moïse, en pile monde qui était dans l'opposition qui je dis à bon côté Ariel, je qu'on a dénoncé mauvaise pratique ça. Yo. Dans le sens que pouvoir politique qu'on utilise la police là à des fins politiciennes. Et puis, une série de policiers mal intentionnés, des policiers qui n'ont objectif inavoué, inavouable, qui décidaient à faire une série de actions qui pas fait honneur à l'institution de la police. Là. Et je pense qu'il faut au commandement intervenu pour Pita Papitrice. Nous sommes ça qui est passé là récemment. Ils ont tué un journaliste dans l'enceinte commissariat. Il y a un journaliste qui prend balle, bon ventre. Il y a un journaliste qui est blessé. Et sans compter si là-haut qui presque mouille en bagage lacrymogène. Dans la même base 47, ça, un peu plus haut, dans Delma 45, nous sommes des dames, nous avons une patrouille policière qui vient, qui est chargée dans l'excavatrice, nous avons les qui mettait le nom camion, jusqu'à présent, pas jamais gagné qui dit, malgré la famille d'Amna Vin là, témoin, expliquer comment ça t'est passé, nous n'avons jamais entendu des éclaircissements pour la police. Là. Parce que ça qui a dessiné là, France LB, il n'a pas fait honneur à la police là. Parce que moi, je parle avec plusieurs mouns au niveau de Delma, notamment avec Sacrivé, petit monsieur Delma 47. Yo. Pour moun qui ne connaissent pas, Delma 47 a une base politique, qui est la base 47. Monsieur ça a joué un rôle important dans la mobilisation anti-gouvernementale. Là. Donc, les Delma lock, les en haut pas monter, en bas pas descendre, petit monsieur ça a très impliqué. Depuis un certain temps là, vous avez l'impression chaque deux semaines, chaque trois semaines, vous prenez deux là-dedans. Yo pas travé yo, yo pas tourné ses corps yo joine ses cadavres yo joine. Et yo accusé la police, ça fait me dire la police qui explication pour le bail. Yo accusé la police qui vini sous prétexte qu'il fait des arrestations et pas jamais gen moun qui connaît dans qui commissariat, dans qui prison. Et dernier événement date là, yo prend 5 moun parmi yo 2 mécaniciens. Gen information qui dit que devine la gen mécanicien après, mais depuis ces 6 monsieur qui était dans base 47 yo, yo prend yo, yo pas jamais tendé yo et y a joine yo. Dans la condition que nous ne connaissons pas, chien qui est à manger, on partit là-dedans. Il y a un là-dedans, c'est bout de bas qui permet que vous ayez ces lits. Ils ont accusé son machine, la police, avec des agents de SWATIM qui cagoulent et qui prennent Timounio. Donc, je pense qu'il faut que la police dise un bagage. Moi, je n'ai pas des informations précises dans le sens que je connais la machine, je connais la machine, je connais l'agent qui est là-dedans. Mais il faut que la police lui-même ait une explication parce que ce n'est pas normal, grand journée pour les gens à opérer. Est-ce que c'est bon la police? Est-ce que c'est mauvais la police? Autrement dit, est-ce que c'est le police ou bien la police? Il y a plusieurs militants dans plusieurs niveaux dans Delma qui ont appelé des mourir. Donc, je pense que la police faut dire un mot. Ce n'est pas normal pour qu'il y ait près de 10
jeune garçon qui disparaît, l'on clin d'œil et ont toujours accusé la police. Bonjour, sénateur Jean-Charles. Bonjour. Bonjour, Ferdinand. Et je salue matin, bon salut. Pierre-Nel, bonjour. Madame Alexandre, bonjour. Je pense que c'est important pour nous interviewer ce matin. Je ne parle avec nous là. C'est pas bagaille. Pour nous comprendre. Pour nous comprendre, camarades, nous, tout le côté de notre pays, là. Époque électrique.